you. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Eurosport. Troisième manche de la Coupe de France PMU, nous sommes à Cholet pour la 38e édition de Cholet-Pays de Loire. 24 heures plus tôt, il y avait la classique Loire-Atlantique. Certains ont fait les deux, c'est le cas de Thomas Vauclair. Bonjour Thomas, vous avez une histoire un petit peu particulière avec Cholet, il me semble. Vous étiez parrain d'un club ici. Ouais, c'est possible, de l'école de cyclisme je crois, lors de ma première année pro, c'est possible. Et puis surtout, vous avez gagné ici en 2011 ce Grand Prix Cholet-Pays de Loire. Ouais, j'ai eu la chance de gagner ici. Il y a 4 ans maintenant, c'est vrai que ce week-end on a un front sur le Tour de Catalogne et un autre front ici, donc bon, moi je suis pas loin de la maison à domicile, on n'est pas invité sur Milan-San Remo, donc on est très content et très fier d'être au départ de Cholet-Pays de Loire. Vous êtes très en vue dans ce début de saison, on vous a vu à l'attaque sur Paris-Nice dans les échappées, vous avez les jambes en 2015. Ouais, ça va, après c'est un petit peu dur de concrétiser, mais c'est vrai que la motivation est là, les jambes tournent à peu près bien. Sur des courses comme aujourd'hui, ça, c'est un terrain qui me convient, c'est des courses où il faut être offensif, comme hier par exemple à la Classique Loire-Atlantique où l'échappée est allée au bout. Donc on est plusieurs cartes dans l'équipe, il n'y a pas un leader vraiment, je suis un coureur parmi les autres, mais on est tous au service du collectif et on va essayer de faire un résultat. Merci beaucoup Thomas, on va aller voir les autres favoris, ceux qui vont se disputer la victoire aujourd'hui dans les rues de Cholet. L'équipe Europcar pourra également compter sur Jimmy Angoulevent, 6e ici l'année dernière et 3e en 2005. Sont présents également Yuki Arashiro, Giovanni Bernodo ou encore le jeune Romain Guillemois. L'ex-belge Wallonie Bruxelles aura elle aussi son mot à dire. Dans ses rangs, un garçon qui est souvent passé près de la victoire l'an dernier. Il avait notamment terminé 2e de Cholet Pays de Loire. Il s'agit de Sébastien Delfos. Il y a du vent, donc ça va certainement bien bordurer. Mais on va voir avec les coureurs qui ont récupéré d'hier. Et, de toute façon, on va tout donner pour soit faire quelque chose ou rouler pour Antoine. Quoi. Ouais, si c'est un sprint, de toute façon, on va tout mettre pour Antoine de moitié. Donc on va essayer de faire un train et on connaît le parcours par cœur, donc avec Kevin aussi. Donc je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien ici. En cas d'arrivée au sprint, aujourd'hui, un autre garçon en forme en ce début de saison pourrait avoir son mot à dire. Il s'agit de Yaoni Utarovic. Déjà vainqueur de 3 étapes sur la Tropicale Amissa Bongo pour sa première saison chez Bretagne Séché Environnement, il rêve maintenant de lever les bras, mais en Europe. C'est vrai, ça marche plutôt pas mal. Et bon, c'est vrai, avec les mecs, les coureurs qui sont dans l'équipe, les staffs, je m'entends super bien. J'arrivais bien à intégrer, comme tu dis, ouais, mais... Voilà, maintenant, il faut qu'on essaie à gagner. Il faut qu'on essaie de gagner en France, enfin en Europe. J'ai gagné un petit peu en Afrique. Bon, c'est bien, mais c'est pas le cas. J'espère de gagner plus vite possible ici en France. C'est une course que j'ai déjà fait. Je connais un petit peu le coin. Je connais un petit peu le parcours ici. C'est dur aujourd'hui. Il y a du vent. Il y a des petites bosses, on va dire. Les routes. C'est assez petit, bon, je connais un petit peu cette course-là, donc j'espère, pourquoi pas, aujourd'hui, je pense que c'est un bon moyen. À ses côtés, des coureurs expérimentés comme Romain Feillu, 5e en 2010, 4e en 2007, ou encore Pierrick Fédrigo, 4e l'an dernier, il s'est déjà imposé ici, c'était il y a 10 ans, en 2005. Côté de l'équipe AG2R, la mondiale, on gardera un œil sur Alexis Goujard, vainqueur 24 heures plus tôt en solitaire sur la classique Loire-Atlantique. La formation terrestrielle compte plusieurs armes pour cette troisième manche de la Coupe de France PMU, dont Damien Godin, vainqueur il y a 2 ans. D'autres sont en phase de reprise, c'est le cas de Sébastien Turgot, 3e l'année dernière. Oui, l'année dernière je marchais super bien, j'étais là, j'étais présent. On était à l'avant de la course avec Jenny Bagnonaz. Donc très bien, cette année on va essayer de refaire la même chose. Pas pour moi malheureusement parce que je reviens de blessure, donc je n'ai pas du tout la forme, je suis plus en train de souffrir en ce moment que faire la course. Donc voilà, je me prépare pour le reste de la saison et bon, je vais faire en sorte que l'équipe, de rouler pour l'équipe pour que tout se passe bien. J'annonce du vent, donc déjà ça va être difficile avec le vent. Bon voilà, c'est un circuit très très vallonné, très très dur, usant, très usant. Et du début jusqu'à la fin, et dans le final, il y a possibilité de faire des belles choses avec un beau circuit final. Donc voilà, on est motivé et puis on va faire en sorte que tout se passe bien. On est deux à revenir de blessure, donc on va être les deux déjà à se mettre au service du groupe
Après voilà, on a plusieurs cohortes. On a Damien qui a déjà gagné, on a Alexis Goujard qui marche super bien. On a aussi Hugo Houle qui marche super fort, qui fait souvent son travail des coéquipiers, mais on va le mettre quand même de l'avant pour cette course-là. Donc ils sont vraiment trois déjà à pouvoir jouer la gagne. Et on va voir comment ça se passe en course pour faire au mieux. L'équipe FDJ, toujours à la recherche d'un premier succès avant le départ de ce Grand Prix sur les Pays de Loire, pourra compter sur un garçon comme Marc Sarraud en cas d'arrivée au sprint. Pour le reste, elle essaiera de prendre la bonne échappée. Arnaud Courteil, de retour de blessure, espère lui retrouver des sensations ici. Oui, c'est vrai, après ma chute sur l'étoile de Bessèges, ça a été un peu compliqué. Je me suis fracturé la clavicule. Donc la reprise hier, c'est pas évident. J'ai fait pas mal d'hommes traîneurs et j'ai repris il y a deux semaines. Donc un petit peu difficile le retour à la compétition, mais je suis bien motivé. C'est vrai que ça me rappelle de bons souvenirs parce que j'avais été échappé, même pas très loin de gagner, donc ça fait plaisir de revenir là. Bon, les jambes sont forcément moins bonnes que l'année dernière, mais je vais essayer de faire une belle prestation. On va essayer d'être bien présent tout au long de la course parce qu'on n'a pas vraiment un sprinter pour gagner, même si bon, on a Marc Sarraud, on gardera un œil sur lui, mais bon, on va essayer de ne pas se faire piéger aujourd'hui. L'équipe Cofidis enregistre, elle, le retour de Stéphane Rossetto et s'appuiera sur Michael Van Steyen en cas d'arrivée au sprint. Puisque l'on parle de sprint, l'équipe Top Sport Vlaanderen, qui avait remporté l'épreuve la saison dernière grâce à Tom Van Asbroek, aujourd'hui chez l'Auto Jumbo, aura à cœur de briller sur cette manche de Coupe de France. Parmi les autres formations présentes, l'équipe Wanty Group Gobert avec notamment Marco Marcato, deuxième de la classique Loire-Atlantique, l'équipe Marseille 13 KTM ou encore Roubaix-Lille Métropole. Toutes ces équipes seront probablement aux avant-postes aujourd'hui comme chaque année. Parmi les équipes étrangères, on notera les présences des formations Cararoa, Landroni Giocattoli, Cult Energy ou encore Moria Staldea. Nous sommes à quelques secondes maintenant du départ de cette 38e édition de Cholet Pays de Loire avec François Faglin, le président de l'organisation. Il fait beau ? Pour l'instant, ça tient Déjà, il fait sec, il y a beaucoup de vent. Je pense que sur le retour, ça va aller très vite. Et ça peut donner, je l'espère, une très belle course d'attaque. L'année dernière, ça s'était joué au sprint. C'est Tom Van Asbroek qui s'était imposé ici dans les rues de Cholet. Quel scénario vous voyez pour cette année ? Bien, en fonction des équipes que l'on a, je crois qu'on n'a pas vraiment de sprinter dédié avec une équipe qui pourrait bloquer la course. Donc moi je souhaite une course débridée avec des attaquants et puis que le meilleur gagne. Ça a attaqué, il y a des garçons qui savent le faire. Derrière nous on se met en place. Le départ, eh bien c'est maintenant. C'est parti pour la 38e édition de Cholet Pays de Loire. Au programme aujourd'hui, 208 km, une grande boucle de 179 km pour commencer. Un passage sur la ligne, puis un petit circuit de 29 km en passant par le Puy Saint-Bonnet, Saint-Christophe-du-Bois, la Séguinière et puis le final dans les rues de Cholet. Le départ réel est donné par François Faglin et à l'avant, on reconnaît Thomas Vauclair, Alexis Goujard, victorieux 24 heures plus tôt en Loire-Atlantique. Le kilomètre zéro, ça y est, c'est parti pour cette troisième manche de la Coupe de France PMU. 137 coureurs au départ, deux non-partants, Edwig Kamertz de la formation Véran Classique et Guillaume Bonafont, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale. On assiste très rapidement aux premières offensives avec Quentin Jorgui notamment très actif et qui tente de sortir sitôt le départ donné. On ne laisse pas partir seul, ils sont plusieurs à prendre sa roue, dont Peter Jacobs de Top Sport Vlaanderen, Cédric Pinault de la FDJ, Jimmy Engoulevent et Thomas Vauclair pour l'équipe Europcar, Yoni Utarovic de la formation Bretagne Séchant Environnement, Timothy Dupont et Baptiste Plancart pour la formation Roubaix-Lille Métropole, trois coureurs de l'équipe cycliste de l'armée de terre, Julien Duval, Romain Leroux et Kevin Le Breton. A noter également la présence de deux coureurs du team Marseille 13 KTM, Johan Payot et Valdas Siskevicius. On a donc déjà un premier groupe en tête de course qui prend rapidement quelques hectomètres d'avance. Le peloton reste malgré tout à quelques secondes. Il est trop tôt pour dire si cette échappée est la bonne ou non. Derrière, un homme va tenter de sortir en contre. Nicolas Hédé place une accélération et de quelle manière ? Le meilleur grimpeur de la Vuelta 2013 prend tous les risques. Il prend le trottoir pour remonter tout le groupe. Un effort énorme du coureur de l'équipe Cofidis. Après avoir remonté tout le groupe, il continue son effort. Et sans rencontre, Nicolas Hédé qui va tenter de rejoindre maintenant le groupe de tête. Résultat, c'est un nouveau groupe qui se forme derrière celui de tête sous l'impulsion de Nicolas Hédé. Damien Godin pour la formation AG2R La Mondiale, Ignatas Konovalovas de l'équipe Marseille 13 KTM, Andrel Madrazo de l'équipe Caraura, Leandro Pasqualone du Road Skoda parviennent à s'extirper du peloton et à revenir sur la tête de course. Un début de course extrêmement mouvementé, donc ils étaient 19 à l'avant au départ, rejoints par 5 coureurs. On a donc 24 hommes à l'avant désormais.
Mais derrière eux, ça bouge également. 24 heures plus tôt, certaines équipes se sont faites piéger sur la classique Loire-Atlantique. Pas question de revivre la même journée galère. Alors un groupe a accéléré, il est tout proche de la tête. Quelques mètres seulement les séparent maintenant. Un groupe composé de coureurs de diverses formations. L'équipe Top Sport Vlaanderen, Bretagne Séché Environnement, l'équipe Wallonie-Bruxelles également est représentée dans ce groupe qui se lance maintenant à l'assaut de la tête de course. Retour sur le peloton, du moins ce qu'il en reste, avec ceux qui se sont fait piéger et qui ne font pas partie du groupe de 40 qui est désormais à l'avant de la course. Ça se regarde, personne ne sait s'il doit rouler ou pas pour l'instant. À l'avant, un nouveau groupe se détache à hauteur de Chaudefonds-sur-Layon, un groupe de 6 hommes composé de Quentin Jourgui, Thomas Vauclair, Cédric Pinault, Timothy Dupont, Julien Duval et Johan Payot. Mais le reste du groupe n'est pas loin, il n'est qu'à 5 secondes juste derrière. Le peloton, en revanche, a déjà perdu beaucoup de temps. Ce peloton qui pointe désormais à 1 minute 20 de la tête de course. Une échappée de courte durée pour les 6 hommes de tête qui sont repris par le reste de ce que l'on va appeler l'échappée, mais qui ressemble davantage à un peloton puisqu'ils sont une quarantaine de coureurs. Et dans la troisième ascension du jour, c'est Kevin Le Breton qui passe en tête. On continue d'accélérer pour essayer de faire le tri dans ce groupe. Le peloton s'est réorganisé un petit peu. L'équipe Cofidis avec Geoffrey Soupe et la formation italienne Androni Giocattoli sont aux commandes. Le vent est très présent depuis le départ, ce qui rend la course compliquée. Les coureurs de l'équipe Androni sont tous à l'avant. La chasse va pouvoir commencer. On est décidé à aller chercher les 40 qui sont en tête de course. Un nouveau groupe s'est formé justement à l'avant de la course. Une nouvelle cassure dans le groupe d'une quarantaine de coureurs. Sont présents désormais aux commandes Yukiya Arashiro du Team Europcar, Nicolas Hédet pour la formation Cofidis, Peter Jacobs de l'équipe belge Top Sport Vlaanderen Baloise, Christian Mager de l'équipe Cult Energie, Romain Leroux pour l'Armée de Terre, Johan Payot du Team Marseille 13 KTM et Cédric Pinault, très remuant depuis le départ pour l'équipe FDJ. Ça a accéléré très 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 fort derrière, le groupe est repris. Mais Cédric Pinault relance, le coureur FDJ a des jambes aujourd'hui, il se lance dans une nouvelle escapade en solitaire. Cédric Pinault qui a déjà participé à bon nombre de courses cette saison, on l'avait vu sur le Tour d'un Lander, sur le Tour d'Andalousie et plus récemment sur Tirreno Adriatico. Difficile pour lui de creuser l'écart pour l'instant, d'autant qu'il n'a reçu aucun renfort. Derrière lui, on va réagir avec deux hommes qui sortent, Julien Duval pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre et Timothy Dupont de la formation Roubaix-Lille Métropole. Ils ne sont qu'à 15 secondes de l'homme de tête. Le reste du groupe de 40 qui est obligé de revenir sur chaque offensive. Un groupe dont Inzaghi ferme la marche, l'équipe Murias que l'on a déjà vu rouler sur la classique Loire-Atlantique 24 heures plus tôt. Devant, les efforts de Julien Duval et Timothy Dupont ont porté leurs fruits. Ils sont revenus à hauteur de Cédric Pinault. Julien Duval et Timothy Dupont qui se connaissent bien. Les deux hommes couraient ensemble la saison dernière chez Roubaix-Lille Métropole. Timothy Dupont a de bonnes jambes. Il l'a montré sur la classique Loire-Atlantique, terminé à une honorable 7e place. Cédric Pinault, lui, avait abandonné sur Tirreno Adriatico. Il n'a pas couru la veille. Il est le plus frais de ce nouveau trio de tête. Nouvelle ascension sur ce parcours exigeant. Et c'est Cédric Pinault qui passe au sommet en premier devant Julien Duval et Timothy Dupont. Le trio continue sa traversée du pays Choletais sans creuser de véritables écarts sur le reste de la course. Il ne compte que 25 secondes d'avance alors qu'il reste plus de 70 km à parcourir. Cédric Pinault, Julien Duval et Timothy Dupont en tête du Grand Prix Cholet Pays de Loire. Après près de 160 km de course, le trio compte 1 minute 30 d'avance sur le reste du groupe d'échappés. Pas certain que cela suffise toutefois pour aller au bout. Derrière eux, ça réagit, on ne va pas laisser ces trois-là prendre trop d'avance. Deux hommes prennent le taureau par les cornes et sortent en contre. Il s'agit de deux anciens vainqueurs de Cholet Pays de Loire, Thomas Vauclair et Pierrick Fédrigo. Deux garçons expérimentés, Thomas Vauclair et ses 35 ans, Pierrick Fédrigo 36. La jonction s'opère avec le groupe de trois, Vauclair et Fédrigo ont fait beaucoup d'efforts pour revenir sur le trio de tête. Les deux garçons ne s'arrêtent plus, ils contre Pinault, Dupont et Duval. Pierrick Fédrigo et Thomas Vauclair sont désormais en tête de ce Grand Prix Cholet-Pays de Loire. On tente de s'accrocher tant bien que mal derrière. Julien Duval est dans la roue, Timothy Dupont également, Cédric Pinault s'accroche. Mais ils vont finir par craquer. Duval et Dupont sont lâchés. Il ne reste plus que trois hommes à l'avant désormais. Pierrick Fédrigo, Cédric Pinault et Thomas Vauclair. C'est trop dur pour Timothy Dupont qui aura fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, il est repris par le peloton, tout comme Julien Duval. Du groupe de trois, il ne reste que Cédric Pinault à l'avant. Sur une Coupe de France, on peut se faire plaisir. Donc j'ai essayé de me faire plaisir au maximum. Bon, c'est vrai qu'à la fin, j'étais surpris de me retrouver à 30 km de l'arrivée avec Pierrick
Et puis Thomas, j'y ai cru un peu, mais j'étais vraiment, je commençais à être cuit. Et après, Pierrick, il a monté l'avant-dernière côte trop fort et il nous a lâché avec Thomas. Et après, voilà, on s'est fait rattraper par le groupe de derrière. J'avais encore mes deux collègues. On a essayé de suivre les coups, mais c'était pas facile. Tout le monde a fini vraiment fatigué parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Quoi. On entre sur le circuit final. Il reste 37 km 200 à parcourir pour les trois hommes de tête. Pierrick Fédrigo, Thomas Vauclair, deux anciens champions de France accompagnés de Cédric Pinault, le coureur de l'équipe FDJ. Il compte actuellement 35 secondes d'avance sur le groupe de contre, composé, on le rappelle, d'une trentaine de coureurs. Alors ces trois-là vont-ils réussir à accroître leur avance? Il va le falloir s'ils veulent se disputer la victoire finale. Car derrière, ils sont une trentaine et ça pourrait revenir très 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 vite quand ils vont décider d'accélérer. On approche du premier passage sur la ligne d'arrivée, un écart qui reste inchangé. Fédrigo, Vauclair et Pinault comptent 37 secondes d'avance sur le groupe. Le peloton, lui, qui est encore plus loin derrière, a abdiqué, il ne reviendra pas. Deux de ces trois garçons connaissent bien cette ligne d'arrivée puisqu'ils s'étaient imposés sur Cholet-Pays de Loire. Pour Thomas Vauclair, c'était en 2011. Pour Pierrick Fédrigo, ça remonte un petit peu plus, c'était en 2005. Le groupe de contre passe la ligne à son tour, emmené par un coureur de la formation Marseille 13 KTM. La chasse est lancée, il reste 29 km pour revenir sur le trio. Pour l'instant, c'est un petit peu désorganisé au sein de ce groupe. On se ravitaille avant les 25 derniers kilomètres qui s'annoncent palpitants. Qui lèvera les bras au terme des 208 kilomètres? C'est encore tôt pour le dire. Thomas Vauclair est en forme, il le disait au départ. Certes, il n'a pas gagné cette saison, mais il s'est illustré sur Paris-Nice, notamment en prenant la bonne échappée à plusieurs reprises. Pour Pierrick Fédrigo, qui n'a plus levé les bras depuis 2 ans maintenant, ce serait une belle histoire également, lui qui a rejoint la formation Bretagne Séché Environnement cette saison. Thomas Vauclair, lancé dans un vrai contre-la-montre avec Cédric Pinault dans sa roue et Pierrick Fédrigo. On retrouve Marco Marcato en tête du groupe de contre pour le team Wanty Group Gobert. L'équipe Europe Car est là également et le contrôle. Pour l'instant, on n'a pas l'air plus inquiet que ça dans le groupe, mais certains garçons vont peut-être tenter quelque chose pour rejoindre le trio tête en solitaire ou à plusieurs. Et pendant ce temps-là, ça bouge à l'avant de la course. Pierrick Fédrigo, dans la dernière bosse, sort en solitaire. Thomas Vauclair et Cédric Pinault n'arrivent pas à le suivre. Pierrick Fédrigo prend rapidement quelques hectomètres d'avance. Le coureur de la formation Bretagne Séché Environnement qui va tenter sa chance tout seul désormais pour rejoindre la ligne d'arrivée à Cholet. Cédric Pinault et Thomas Vauclair qui n'ont pas réussi à le suivre. Il ne faut plus se poser de questions, il ne faut plus faire de calculs, il faut tout donner maintenant. Après beaucoup d'efforts pour revenir sur Julien Duval, Timothy Dupont et Cédric Pinault, il est parvenu à sortir Pierrick Fédrigo en compagnie de Cédric Pinault et de Thomas Vauclair. Il les a tous éliminés un par un. Il est seul désormais à l'avant de la course. Mais derrière, ça va accélérer. On le voit déjà, et à 20 km de l'arrivée, deux hommes vont contrer. Antoine Demoitier pour l'équipe Wallonie-Bruxelles et Inza Osti pour l'équipe Mourias. Antoine Demoitier, vainqueur du Tour du Finistère la saison dernière. En 2014, il avait également terminé 7e de Paris-Bourges, 6e du Grand Prix Cérami. Et avec lui, Ron Under Inza Osti de la formation Mourias Fédrigo qui rentre dans la Séguinière maintenant. 10 km à parcourir. Ça revient fort dans son dos, mais pour l'instant, Pierrick Fédrigo tient bon. Pierrick Fédrigo qui s'élance désormais vers la victoire. 10 km à tenir pour lui. Ah, ça doit bouillir dans les jambes et dans la tête de Pierrick Fédrigo, champion de France en 2005. La même année, il avait remporté Cholet-Pays de Loire. Fédrigo lancé vers la victoire maintenant, il n'a plus levé les bras depuis 2 ans, c'était déjà sur une manche de Coupe de France, sur Paris-Camembert. Il résiste, Pierrick Fédrigo, il ne lâche rien. Derrière lui, Antoine Demoitier, Inza Osti qui tente de revenir, les deux coureurs qui pointent à une trentaine de secondes. Pierrick Fédrigo, lui, qui va aller chercher la victoire en costaud, il place la flamme rouge. Le coureur de la formation Bretagne Séché Environnement, ça devient de plus en plus compliqué, mais derrière, il n'y a personne, il est tout seul. Il va bientôt voir cette ligne d'arrivée, Pierrick Fédrigo lancé vers la victoire. Il n'avait plus levé les bras depuis 2 ans maintenant. Pierrick Fédrigo qui va remporter Cholet-Pays de Loire. Il ne faut pas craquer maintenant. Derrière, ça peut revenir très vite. Ils sont plusieurs garçons avec Antoine Demoitier, notamment, qui peut aller très vite. Il se retourne. C'est bon pour Pierrick Fédrigo. Il ne sera plus repris maintenant. Le coureur de la formation Bretagne Séché Environnement qui s'impose dans les rues de Cholet 10 ans après. Il s'était imposé ici en 2005. En 2015, la victoire est pour Pierrick Fédrigo au terme d'un sacré numéro. Il décroche la victoire en solitaire. Quel courage, quel panache pour Pierrick Fédrigo qui est sorti avec Cédric Pinault, avec Thomas Vauclair. Il les a tous laissés sur place pour aller chercher la victoire en solitaire. L'an dernier, Pierrick Fédrigo avait échoué au pied du podium. Il avait pris la 5e place également en 2012. Derrière lui, c'est revenu fort et on se bat maintenant pour la 2e place. Et c'est Ron Under Inza Osti qui est le plus rapide. L'Espagnol prend la 2e place devant Baptiste Plancarte et Antoine Demoitier qui est 3e. Un
incroyable, Pierrick Fédrigo, après plus de 25 km d'échappée, le coureur de la formation Bretagne Séché Environnement décroche son premier succès depuis près de 2 ans. Sur le podium, à ses côtés, on retrouve Baptiste Plancart sur la 3e marche. Le jeune coureur espagnol Inzaghi, 22 ans seulement, pour l'équipe Murias, prend la 2e place. Je suis très ému d'avoir couru ici en France et à un tel niveau. Je suis content d'avoir couru avec l'élite française. C'est beaucoup d'émotion. Baptiste Plancart, 3e aujourd'hui, réalise un très bon début de saison. Il avait terminé 4e de la première manche de la Coupe de France à Marseille avant de signer 2 top 10 sur l'étoile de Bessèges. C'était une course très chaotique. Au début de course, on a attaqué avec 25 coureurs. Le coureur qui revient, le coureur qui lâche. Et les finales, c'était très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'équipes avec beaucoup de coureurs. Et en fait, avec Fédrigo et Veuclair, c'était le bon coup. Ils roulent très très fort et pour revenir, on a donné tout, mais Fédrigo était trop fort. Pour nous, pour l'équipe, c'est très important. La Coupe de France, donc on donne tout, même pour le classement par équipe. Hier, j'ai raté la bonne échappée et aujourd'hui, j'étais très ambitieux pour faire un bon résultat. Au classement de ce 38e Grand Prix Cholet Pays de Loire, on retrouve Antoine Demoitier, vainqueur du Tour du Finistère la saison dernière à la 4e place. Il avait également pris une belle 3e place au Grand Prix La Marseillaise en début de saison. Konovalovas du Team Marseille 13 KTM est 5e, Yuki Arashiro 6e. Nicolas Hédé, 7e aujourd'hui, aura passé la journée à l'avant de la course. Il aura relancé à plusieurs reprises et voit sa bonne forme du début de saison récompensée avec un top 10 à Cholet. Ouais, moi j'étais devant, après je me suis trouvé un peu esselé malheureusement dans le gros groupe qu'on était, on était 40 au plus nombreux. Là c'est vrai que j'étais tout seul, c'était un peu juste. Du coup j'ai essayé de provoquer assez loin de l'arrivée pour recasser le groupe, ça aurait pu marcher. Je pense qu'il manquait un Fédrigo pour que ça aille un peu plus loin. Après c'est revenu, les jambes ça allait vraiment très bien. Après c'était voilà, une course un peu bizarre, tactique, fallait pas louper le bon coup. Je l'ai loupé malheureusement quand Fédrigo et Veuclair sont sortis à 40 km de l'arrivée. Je suis resté à un petit 100 mètres et voilà, c'est là que j'ai loupé ma chance de peut-être pouvoir l'emporter ou du moins accompagner Pierrick le plus longtemps possible. Bon, c'est comme ça, au final je termine 7e, c'est anecdotique mais c'est bon pour la confiance une semaine avant le critérium. Ouais, ça va bien, je sens que j'ai bien débuté la saison, que j'ai passé un palier physique depuis l'an dernier. Les blessures sont derrière moi, donc c'est vrai que ça change la vie quand on peut faire du vélo sereinement. Et voilà, là j'ai déjà fait des bons résultats, mais ma forme n'allait pas calculer pour le mois de mars, donc c'est de bon augure pour la suite. Et là j'espère j'arrive dans la période de mes objectifs, le critérium la semaine prochaine, et puis ensuite il y aura le Tour du Pays Basque et les Ardennaises. Donc là c'est une grosse... une période intense avec des très belles courses que je vais découvrir et j'ai envie de faire le meilleur résultat possible et pourquoi pas aller chercher une victoire sur les prochaines semaines. Au classement général, changement de leader. Pierrick Fédrigo fait coup double en plus de sa victoire. Aujourd'hui, il prend la tête du classement général devant Alexis Goujard, vainqueur de la Classique Loire-Atlantique 24 heures plus tôt. Baptiste Plancart est 3e, Konovalovas et Arashiro marquent également des points. Au classement par équipe, la formation Roubaix-Lille Métropole reste en tête. Bretagne Séché Environnement avec 8 points marqués aujourd'hui est 2e. L'équipe cycliste de l'armée de terre en marque 12 et prend la 3e place. Elle est belle, l'histoire. 10 ans après, c'était en 2005, Pierrick Fédrigo, vous gagnez ici. 10 ans plus tard, nouvelle victoire, la première avec le maillot Bretagne Séché Environnement. Il doit y avoir beaucoup d'émotions, je pense. Ouais, c'était en même temps un très bon souvenir. Parce que juste après, ben voilà, il y a eu une bonne saison en 2005, il y a 10 ans de ça. Donc j'espère que 2015 sera aussi bonne. Quoi. Racontez-nous un petit peu votre journée. Vous êtes parti comme ça d'un coup, tout seul. Vous avez fait 30 km devant sans jamais se poser de questions en y allant. Ouais, je suis parti un petit peu dans l'inconnu. Voilà, les jambes répondaient bien. Mais bon, après 30 km, c'est à la fois beaucoup et à la fois peu. Mais bon, quand il y a une course qui fait plus de 200 km, forcément il y a beaucoup de fatigue dans le final. La difficulté aussi principale c'était le vent, donc on avait beaucoup de vent défavorable pour finir et bon j'ai su bien gérer mon final, mais bon j'ai quand même tout donné quoi. Quand vous passez sur la ligne une première fois, vous êtes avec Cédric Pinot, avec Thomas Vauclair, à ce moment-là qu'est-ce que vous vous dites? Je leur dis que derrière il fallait les faire craquer quoi, tout simplement, et c'était un petit peu jeu du chat et de la souris quoi, c'était ça, et
c'était au premier qui craque, eh ben, il ira au bout. Quoi, et, ouais, j'ai jamais craqué. Quoi. Vous n'avez plus levé les bras depuis 2013. C'était déjà une Coupe de France, c'était sur Paris Camembert. Là, vous venez de rejoindre l'équipe Bretagne Séché Environnement et déjà la première victoire. Ouais, c'est particulier parce que on peut savourer de la gagne quand on a le temps de lever les bras devant la ligne et de voir la ligne d'arrivée passer. Mais c'est vrai que toutes les courses que j'ai gagnées, ça a été toujours un petit peu sur le fil, échappé. Donc on ne savoure pas forcément bien, mais là j'ai pu savourer et surtout avec mes nouvelles couleurs. Quoi. Merci beaucoup Pierre-Yves Fédrigo. La dernière fois que vous aviez gagné sur les Pays de Loire, vous aviez gagné les 4 jours de Dunkerque dans la foulée, c'est ça? Oui, et puis le championnat de France aussi. Voilà, aussi. Alors, en tout cas, on va vous le souhaiter, allez savoir, cette saison. J'espère faire la même saison. Ça serait merci beaucoup. Ça merci Pierrick, merci de nous avoir suivis. La Coupe de France, ça continue évidemment toute la saison sur Eurosport. Vous retrouverez votre magazine de la Coupe de France à l'occasion de la prochaine manche. Ce sera le 3 avril. Nous serons à Vitré pour la route à Delhi et puis le 5 avec Paris Camembert. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite sur Eurosport. Are you with me? Are you with me?